Sadprem, Mère, l'espèce nouvelle, tome 2 de la trilogie. À elle, que notre aspiration ait le pouvoir de révéler ce qui est caché et de manifester l'inattendu. Sadprem. Tome 2, première partie, la descente supramentale. Elle travaille ici dans le corps pour faire descendre quelque chose qui ne s'est pas encore exprimé en ce monde matériel et qui transformera la vie ici-bas. Sri Aurobindo, la mère. Ce grand regard. Une nouvelle vie commençait. Quelque chose s'était fermé dans ce cœur violent, comme une lourde porte d'argent derrière laquelle elle gardait sa douleur dans un silence qui était peut-être terrible. Il y avait là, pour toujours et pour tous les jours, quelque chose qui s'était fixé, comme un regard qui pouvait être intensément noir, avec de l'or au fond, une volonté de faire sans un vacillement qui regardait la mort. Elle savait maintenant. C'était la question que l'on m'a donnée à résoudre. Sous toutes les apparences, elle traquait l'ennemi. Derrière tous les gestes, les pas, les paroles, les uns, les autres, c'était cela qu'elle regardait et c'était une forme de cela qu'elle transperçait. Nous ne connaissons pas un être au monde qui ait promené si constamment et si inflexiblement une seule, unique volonté, pas un souffle de cette vie, pas une seconde de ces 24 heures quotidiennes ne valait ou ne pouvait même être vécu si ce n'était pour vaincre ça et trouver ça. Il était parti, n'est-ce pas? Un écroulement. Et ce n'était même plus Sri Aurobindo qu'elle regardait. Sri Aurobindo était elle comme son souffle. C'était par-delà Sri Aurobindo, quelque chose qui était comme le grand ça du monde, l'absolu, le suprême, peu importe les mots, et tous les mots sont idiots, mais ça qui fait que tout ne s'écroule pas instantanément dans une monstrueuse farce. Parce que, tel qu'il est, au vu des choses, à l'apparence immédiate, le monde est une pure monstruosité que seule notre inconscience nous voile. Sans ce voile d'inconscience, il serait insupportable. Sans tous ces jolis pièges d'illusion, il serait intolérable. Et quand l'illusion s'en va, il reste seulement le chemin du nirvana, du suicide, ou alors ça. Le seul espoir d'un sens, la positivité de cet énorme non-sens, le correspondant de la mort. Autrement, c'est la mort toute seule, triomphante, partout, dans tous les coins et au prochain détour pour nous, quand elle tirera son masque et enverra balayer d'un rire toutes nos douloureuses idioties. Il y a ça ou la mort. Il n'y a rien entre les deux. Entre les deux, c'est la comédie et les pantins de la comédie. Alors, on regarde ça, ou on est déjà dans la mort. Ça, la seule chose possible et vivante dans cette singerie de la vie qui n'est pas la vie, la seule intensité qui corresponde à cette intensité de mort partout. Et, si nous n'y croyons pas, c'est seulement tant pis pour nous. C'est que nous sommes déjà sur la liste des candidats de la mort.
Et en fait, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de respirer. Quand l'illusion s'est défaite, on n'est plus à se demander si l'oxygène existe et à faire la métaphysique de l'oxygène. On respire ou on meurt, c'est tout. Ça, c'est la respiration. Appelons-le la baleine si l'on veut. Mais si on n'est pas sur le dos de cette baleine-là, on va gargouiller au fond sans tarder. C'est à la porte, c'est pour demain. En fait, c'est sous notre nez. La mort file et refile à chaque instant comme un silencieux requin, pomponné et souriant, charmant. La vérité, c'est que le départ de Sri Aurobindo m'a projeté directement vers le suprême, sans intermédiaire. C'est ça, ou c'est rien, tout simplement. Rien, ça veut dire la mort. Elle disait le suprême, ou elle disait le Seigneur, ou toi, n'importe. C'était sa façon d'appeler ce quelque chose-là qui se moque tout à fait du nom qu'on lui donne, mais qui est la seule chose respirable devant cette intensité de mort partout. Et au fond, toutes les expériences humaines, toutes, sans exception, habillées de n'importe quelle couleur, n'importe quelle langue, sont faites exclusivement, uniquement, absolument, pour conduire chacun à cette seule seconde où il vire dans ce seul possible-là. Tout d'un coup, on dit ça ou c'est la mort. On vire dans le positif, on attrape l'oxygène, on ouvre les mains et comme un idiot, ou non, on dit ça, ça, ça. L'unique absolu, c'est le suprême. L'unique permanence, c'est le suprême. L'unique sécurité, c'est le suprême. L'unique immortalité, c'est le suprême. Et c'est la seule chose qui existe. Autrement, ce n'est pas possible. Autrement, c'est la mort debout. Toutes les expériences, toutes, innombrablement, sont faites pour conduire là. Alors, c'est la première seconde de vie dans le règne de la mort. Et alors, cela devient une expérience tellement absorbante et tellement absolue. L'incertitude, l'instabilité, le caractère fugitif, inconstant, impermanent de toute chose, on ne peut s'appuyer sur rien, tout s'écroule, que sur le suprême, parce qu'il est tout. Il n'y a que le tout, d'une façon absolue qui ne faillit pas. Les mots sont imbéciles, mais c'est une expérience. Une fois qu'on a cette expérience-là, c'est fini. Tout le reste, c'est seulement ce qui en découle. Ce sont des détails. Alors on est sauf, vraiment. C'est-à-dire qu'on est assailli de tous les côtés par la mort, celle qu'on ne voyait pas avant. On est sauf parce qu'on est dans la respiration. On commence à voir la vraie tête de la vie, entre guillemets. On commence la lutte contre la mort. On est avec ceux qui tirent l'évolution du côté respirable. D'ailleurs, on n'est pas avec eux, on est avec le suprême. Le « avec eux », cela fait encore partie du mélange mortel. Et ce grand regard intense de mère, qui s'ouvrait parfois derrière la porte d'argent, on ne peut le supporter sans frémir.
parce que c'est terrifiant pour toutes les petites morts qu'on garde dedans. Je passe mon temps à me recouvrir de voiles, un voile et encore un voile et encore un voile, pour qu'on ne me voie pas. Autrement, unbearable, insupportable. Mais quelquefois, nous avons vu. Alors, nous savons maintenant ce que veut dire la vie dans ce règne de la mort. C'est cela qu'elle allait conquérir, la vie vraie pour la terre contre nos innombrables petites morts. Quand la terre supportera ce regard-là, c'est qu'elle sera bien près d'être la vraie terre. C'est qu'elle aura purgé son incroyable identification avec la mort. Il n'y a pas un seul être, peut-être, qui ne soit complice de la mort en un coin. C'est effrayant. Mais ces 23 années de mer sont des années effrayantes. En somme, chacun, dans ce laboratoire évolutif, était comme un petit échantillon de mort élaboré.